Fala Lukasika. Fantam fala manasado walauna fala ni tare fala ni sado
Maria kam makila ne makono ta kumatika atie ni plantiki boba kleina e masaka elementary ndo yerela e ota to godi ubinanga kadiega ne du mestra sesa mogola do ye bon ne ka po abi ne ko sui meta ga ni na so ne ka tui
Allô, bébé. Ça va? Eh bien, mini. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, 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 ah, bébé, ne compte pas à toi. Je ne sais pas si tu es là. Et nous mettons pire sur la tante. Et nous mettons 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 la Bébé, Hilo. Demi Filiboloni, ni ye dondo masaye, aune yi fafara, ki bamne la. Demi Filiboloni, anyake festivalite, an dino ye denita. Eh, mouzo. Zonta temerere.
dans la commune 5 et quand on vient dans la commune, on doit être bien reçu. Et pour nous recevoir, pour nous souhaiter tous la bienvenue dans la commune 5, nous allons faire appel à monsieur le maire de la commune 5, à sa personne, à venir sur cette scène pour son discours de bienvenue à tous ceux qui sont là pour la cérémonie d'ouverture de ce festival. Monsieur le directeur national de l'action culturelle, représentant Madame la ministre de la Culture, Monsieur l'administrateur du festival, Mesdames, Messieurs les conférenciers, Messieurs, Madame les restaurateurs, restauratrices, Mesdames, Messieurs les artistes, Mesdames, Messieurs la presse écrite, parlée et audiovisuelle, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, le représentant du ministre de la Culture, au nom de la population de la commune 5, des membres du conseil du bureau communal, je vous souhaite à toutes et à vous tous la bienvenue à la cérémonie qui nous réunit ce soir. Je vais parler du festival des grillades de Bamako. Par ma voix, les autorités de la mairie de la commune 5 du district de Bamako vous expriment leur reconnaissance pour le choix des berges du fleuve Niger, le palais de la culture, pour la 5e édition. Nous nous réjouissons aussi du fait de témoigner de notre présence cette initiative destinée à consolider à jamais la cohésion et l'entente sociale par le vivre ensemble. Au-delà de cette symbolique, il faut révéler l'originalité, la créativité des organisatrices et organisateurs du festival, dont l'éclat a été particulièrement rehaussé par la présence ici du directeur national de l'action culturelle. Monsieur le directeur national de l'action culturelle, représentant Madame la ministre, honorable invité, le thème de cette 5e édition, à savoir le vivre ensemble, exprime de nos préoccupations majeures de l'heure en rapport avec la situation actuelle du pays. Rien qu'à ce titre, nous réjouissons et remercions les organisatrices et organisateurs pour nous avoir associés encore une fois et comme toujours depuis 5 ans à l'événement. L'ambition exprimée est celle de repousser à jamais le front de la division, de l'incompréhension, de l'exclusion, le plus loin possible au regard de la situation actuelle dans notre pays. Cette ambition est d'ailleurs conforme aux orientations et préoccupations des plus hautes autorités de notre pays. Aussi, par ma voix, les autorités de la commune 5, le maire de la commune 5, Amadou Ouattara, s'engage à ne ménager aucun effort pour le rayonnement national, sous-régional, africain et même mondial de ce festival de grillades de Bamako. Vivant la 6e édition, celle de 2020, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Monsieur Boukadari Koulibaly, monsieur le maire, merci pour ce beau discours. Je vous demande d'applaudir, a été créé par deux fois. Hein? Alors, il nous reçoit dans sa commune. L'homme qui a eu l'idée, l'homme qui a mûri l'idée avec toute une équipe pour la réussite de cette 5e édition. Et avant cette 5e édition, il y a eu des éditions précédentes. L'homme n'a pas lâché le bout. Il s'est rempli de courage. Il s'est borné de persévérance. Il s'est borné de détermination pour pouvoir réussir ce pari. Lui, c'est le jeune frère Ousmane Barry, directeur du festival de grillades, que nous allons recevoir sur ce podium pour son discours d'ouverture. On applaudit pour M. Ousmane Barry. Mesdames, Messieurs, chers invités, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette 5e édition. Cette année, le thème retenu du festival,
c'est le vivre ensemble. Tout a été dit, mais je vais remercier l'organisation. Je remercie aussi nos partenaires, le ministère de la Culture, qui a été toujours là pour nous. L'innovation de cette année pour le Festival des Grillades, c'est de mettre le nord du Mali à l'honneur du festival et de vivre ensemble entre les communautés du nord. Donc de cela, je vous présente aussi le village du Nord qu'on a encore essayé de mettre juste là. Après l'événement, on va aussi visiter les communautés du Nord qui sont là et encore faire une conférence débat pour essayer de parler sur du vivre ensemble entre les communautés du Nord. Je vous remercie. Un jeune bosseur que jeune parleur. Ça se sent un discours bref, mais un discours qui résume un courage, qui résume une force pour la réussite d'un tel événement, pour dire que le Mali restera jusqu'à preuve du contraire un et indivisible. Le savoir-vivre, nous le devons. Nous sommes obligés de vivre ensemble, car nous avons besoin de vivre ensemble pour la réussite de notre patrie, le Maliba. Applaudissez pour ce beau discours du frère Ousmane Barry, directeur de ce festival-là. Et là, maintenant, nous allons faire appel aux représentants de madame la ministre de la Culture. Il s'agit bien sûr de monsieur Alamouta Danyoko, qui est le directeur national de l'action culturelle, pour son discours de bienvenue. Je vous demande d'applaudir. Monsieur Alamouta Danyoko, directeur national de l'action culturelle. Bonsoir à tous. En dessous. Merci monsieur l'animateur. Comme vous venez de l'entendre avec Louis, moi c'est monsieur Alamouta Danyoko, le directeur national de l'action culturelle, représentant Madame la Ministre, qui a bien voulu être avec vous ce soir, mais malheureusement, pour un problème d'agenda, elle n'a pu faire le déplacement. Donc, elle m'a chargé de venir la représenter. Et donc, à cet effet, je vais vous demander la permission de me permettre de livrer le discours qu'elle m'a remis. Donc, merci. Monsieur le maire, sinon monsieur le représentant du maire de la commune 5, monsieur Bouadéry Koulibaly, madame Mariam Bagayoko, une des icônes de la musique, sinon de la culture malienne, madame Nissou, monsieur le promoteur du festival, monsieur Ousmane Barry, mesdames et messieurs les membres de la commission d'organisation de la 5e édition du Festival des Grillades de Bamako, chers festivaliers, honorables invités, mesdames et messieurs, à vos titres, rangs, grades respectifs, c'est avec un honneur et un immense plaisir que je prends la parole au nom de madame le ministre de la Culture, madame Diaye Rahmatoulaye Diallo, empêchée pour des raisons d'agenda, sur cette berge de l'emblématique palais de la culture Amadou Ampatiba, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Grillades, pour remercier et féliciter les organisateurs de la présente édition, ainsi que toutes les personnalités, autorités et invités ici présents. Permettez-moi à cette exceptionnelle occasion de rappeler l'importance que revêt cet événement qui s'inscrit de plus en plus au cœur des activités phares de l'agenda culturel de notre pays à travers le département de la culture. Les objectifs du festival s'inscrivent dans une dynamique de valorisation et de promotion des savoir-faire nationaux, j'allais dire des savoir-faire maliens en matière de gastronomie,
de mets traditionnels, voire d'art culinaire. Je me réjouis de l'organisation de ce festival qui se veut un espace de sauvegarde d'un des pans le plus important de notre trésor alimentaire. Je vais parler de la grillade ou bien des grillades. Comme vous le savez, notre savoir-faire culinaire est supplanté aujourd'hui par la gastronomie occidentale, asiatique et bien d'autres. Ce festival est donc le tremplin, le souffle divin, l'âme nécessaire à la renaissance des mets authentiques et traditionnels des différents terroirs du Mali. De ce fait, j'invite les organisateurs de ce festival à réfléchir à une possible foire alimentaire autour de cet art culinaire afin que chaque Malien et chaque Malienne soit sensibilisé sur la consommation de nos produits et savoir-faire nationaux, sinon locaux. Mesdames et messieurs, j'ose qu'à l'instar des éditions précédentes, que la présente connaîtra une effervescence populaire et que le public sera agréablement surpris par le génie des spécialistes de cet art que vous êtes. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes d'espoir que je déclare au nom de Madame le ministre de la Culture la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Festival des Grillades. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Accompagné d'une belle déclaration, désormais festival, 5e édition Festival des Grillades de Bamako, dénommé FestiGri, est ouvert. On applaudit. Alors, le ministère de la Culture n'était pas représenté que seulement par M. Danyoko. Hein. Nous avons vu M. Abdoulaye Tombana, qui est le directeur du Palais de la Culture, qui était là, M. Yacouba Kébé, qui est venu accompagner M. Danyoko, M. Moussa Diallo, qui est le directeur adjoint du Palais de la Culture. On va demander à l'officiel, ou sinon aux officiels, de visiter les stands. Entre-temps, Tonton Barco, tu vas les accompagner avec la musique. Juste après la visite des stands, ils viendront pour des dégustations et ensuite, nous, on va continuer avec le live. Voilà. La présence de l'icône de la musique malienne, une des figures emblématiques de la musique malienne, Mariam Bakayoko Magnina, il faut l'applaudir. Aïe Mali musique traditionnelle, nous, il y a une musique, aïe Yala Diafan Befe, aïe Kenekaya, aïe Tegrefo, Anana Kana, en soutenir en Abaraina, aïe Tegrefo, Mariam Bakayoko, elle mérite. Et Antenina, on n'oublie pas de dire un grand merci aux différentes structures de médias qui nous accompagnent. L'ORTM, la passion du service public, Africable, Télévision, la chaîne panafricaine, la chaîne qui réunit toute l'Afrique, Renouveau TV, Énergie TV, Mali 24, le journal indépendant, le journal républicain, le groupe Walla. Hey,
On a quelque chose à dire avant de commencer la prestation. Bonsoir et remercier nos autorités qui sont présents et les grandes personnalités de la commune 5 qui sont présents et la commission d'organisation dans tout l'ensemble et les hôtesses. Je souhaite que les hôtesses viennent danser avec moi comme ce soir en playback en live dans Hamdallah. Hamdallah, c'est pour les Bari, le fondateur de l'Empire Peul de Massina. C'est le premier morceau. Hamdallah, Barou Diallo va vous donner. J'invite les hôtesses à danser avec moi. Hôtesse, vous venez danser avec le père, voilà, Dinda Sari, Hamdallah. Tati,
Comme ça, Dinda Sari. Voilà, on applaudit fort pour lui. Il rendait un vibrant hommage à la famille Barry à travers ce beau titre, Amdalaï. Aïtere Bade Foka Blasra. On va continuer et cette fois-ci, on va faire appel à la junte qui domine les styles de musique actuellement au Mali. Ils sont obligés d'être respectés parce que ce sont eux qui font les pleurs aujourd'hui des stades, le mouvement rapologique. Tout à l'heure, on va faire appel à un jeune rappel qui s'appelle tout simplement Ozo. Aïtere Badefo Ozoé. On va accueillir Ozo. On applaudit pour Ozo. Et n'oubliez pas que le Festival des Grillades de Bamako, dénommé Festi Gris, a débuté ce jeudi et ça va continuer jusqu'au dimanche. Tous ces trois jours, retrouvez-nous ici à partir de 15h jusqu'à X1. Venez déguster des beaux mets, des jolis plats. Venez déguster de la bonne rôtisserie, venez déguster de la braise. On est là ici et il y a la bonne musique, il y a des lives. 5e édition, ça sera une réussite grâce à vous. Sortez vos téléphones, faites des snaps, envoyez des statuts WhatsApp, invitez vos amis, entre grains, retrouvez le groupe de WhatsApp et retrouvons-nous ici pour vivre ces 3 jours de bonheur du festival des Grillades. Alors il est là, Ozo, voici le micro, Ozo. Bonsoir tout le monde. On veut la paix, il n'y a que la paix. Ngo, nite kumbo, nite kumbo, fly kumba, que les maçons n'a qu'à fraliga, ou de gara maliye. Ango tchè ma boulo, nous nous tchè mou boulo, ni mali koko doski a foe damounye, nyeba natola, nyebe fien natola, fien ni tchè tchè, fien koloni tasuma, avec nye chama, avec nye chimali ouma, kongwa minoro, galana, nyoro fra, bebe ki yere nyini morfa, kame fa mefe, jomna frigade, jomna tobluke, baro benajo, jomna ta bara yoro, kasakera kunu shuye mokobe, shini shudonwa, jije. Mali, Sana gaso ma jatimna si tu nu ma me fembe si boni ma me ke
Il s'appelle tout simplement Ozo et il était accompagné de la jeune mannequin, en même temps artiste, chanteuse, Awoz, que je vous demande d'applaudir. On va continuer dans le mouvement rapologique juste avant de retrouver le groupe de live prévu ce soir pour vous bercer musicalement à travers de la variété musicale. Hein. Avant eux, on va faire appel à Pispa One. Pispa One, qui est un jeune rappeur, a intégré, il faut encourager le... Thank you.
Thank you.
Nitara tara,